Good morning, allez, Iden et Susra aujourd'hui, le Lunishmash, pour son régime Ben Chana, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazal Fritna, Klout, Shomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous céder une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle, nous étions à Sachet Brachot, Perek Bet, Mishnah Bet, Veloen Ben Aparakim, Ben Bracha Rishona, la Shnia, Ben Shnia, Lishma, Ben Shema, Leveayem Shamoa, Ben Vayem Shamoa, Levayomer, Ben Vayomer, Le Emet Veyatsiv, Rabbi Yudomer, Ben Vayomer, Le Emet Veyatsiv, Lo Yavsik. אמר ביושע בן כוחה, למה קדמה שמה לוויים שמועה? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות, והיים שמועה לוי אומר, שוויים שמועה נוהג ביום ובלילה, ויומר אינו נוהג אלא ביום. On continue la Mishnah précédente, on avait vu que on peut s'arrêter au milieu du schéma pour saluer quelqu'un que l'on doit respecter, ou quelqu'un que l'on craint qui va se fâcher à la longue. Vous imaginez, s'il y a des goïms qui passent, imaginez à l'époque qu'est-ce que ça pouvait être, si on énerve un petit peu trop le gouverneur, il risque à la fin de s'en prendre aux juifs. Donc il y avait des halakhot qu'on a le droit de s'arrêter, on avait plusieurs détails, d'ailleurs j'avais une petite dette envers vous, je vous avais dit que je vérifie dans l'halakha, on avait dit que l'halakha était établie comme Rabbi Yehuda, qu'entre les prakim, entre les pratiques qu'on va voir justement dans le Mishnah, entre la première paracha, la deuxième paracha, entre les, au milieu, on avait vu que si quelqu'un me salue, j'ai même le droit de lui rendre. Concrètement, ça, la faute, ne sont plus d'actualité aujourd'hui. C'est important dans le Mishnah Berurah Siman Samech Vav, au nom du Magan Avraham notamment, que c'est des halakhot dans la mesure où la personne, elle risque de se vexer, ou de se fâcher, ou de nous faire du mal, si on ne va pas lui répondre. Alors là, effectivement, il y a les halakhot de la Mishnah, qui vient de me dire, sache que tu t'arrêtes, tu salues, tu dis un petit mot, tu ne le laisses pas passer incognito. Ouais, considère qu'il est à côté de toi. Mais dans la mesure où aujourd'hui, les gens comprennent que dans la tefila, on ne s'arrête pas pour dire bonjour à quelqu'un, c'est pas, on est en train de parler, il fait sa tefila. Même un goy, à la limite, même quand il passe, il sait bien que même eux, quand ils sont dans leur, à l'église ou un truc comme ça, ouais, la Avdil et la Falfavdot, même eux, ils comprennent qu'on ne s'arrête pas pour parler, c'est pas un. On est en train de parler à Hachem, c'est pas le moment de s'arrêter pour dire quelque chose d'autre. On n'est pas censé se déconcentrer. Donc du coup, puisque c'est toléré, on n'a plus toutes ces halakhot qu'on a le droit de s'arrêter. On apprend quand même plusieurs points importants de ces halakhot. Notamment, combien répondre au Kaddish et à la Gdusha, où on est ou où on n'est pas, c'est déduit de ces halakhot. C'est pour ça qu'elles sont. On apprend quand même des halakhot, et si on se retrouve aussi avec des goïms qui peuvent se fâcher, alors... De nouveau, ce soir, il faudra savoir quand s'arrêter, quand pas s'arrêter. D'accord? Ça, c'est l'introduction générale. Maintenant, on avait vu qu'il y avait deux sortes de choses. Il y a des bornes entre les chapitres et au milieu du chapitre. Des halakhot. Au milieu du chapitre, tu es en train de lire. Vayam shamoa tishmon, el misota, yachar nochim, sevetrem ayom, le ahava. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit bonjour, je m'arrête pas. Là, on est en plein milieu du paragraphe. C'est plus compliqué de s'arrêter qu'entre deux paragraphes différents. D'accord? Donc du coup, on a comme ça. Il va falloir définir qu'est-ce qu'on appelle des prakim, dans lesquels tu n'as pas le droit d'arrêter au milieu, mais entre les prakim, entre les paragraphes, tu as le droit d'arrêter. Donc le principe général, peut-être que je vous le dis à l'oral, ça ira beaucoup plus facilement ensuite, pour lire la Mishnah. Regardez, on a le schéma, il est composé de trois morceaux de paracha différents. On a le premier morceau, c'est schéma, c'est dans parashat Vayetranan, Vayem Shamoa, c'est dans parashat Ekev, et après, Vayomer, c'est dans Parashat, Shlach Lecha. À part ça aussi, il faut savoir, il y a les brachot du schéma. Ça se passe comment, les brachot du schéma? On a la première bracha, Yotzer Or, on recherche jusqu'à Bochot Hashem Yotzer Ameorot. Et après, on commence à Avat Olam Avatanu, à Bocher, jusqu'à Bocher Bam Israël, Be'ahava. Et là, on s'arrête de nouveau et on a le début du schéma. Tout ça, c'est des séquences. Alors, au milieu d'une bracha, on est beaucoup plus rigoureux, c'est pas le moment de s'arrêter. Quand on est entre deux brachot et il y a une nécessité, alors on a certaines permissions. On n'a pas le droit de parler de n'importe quoi, ça c'est sûr que c'est interdit. Mais pour saluer et redire bonjour à quelqu'un ou pas, entre les brachot, c'est le moment d'élargir un petit peu plus la permission. D'accord? Et avec un cas particulier, c'est entre la paracha de Vayomer puis Emet Veyatsiv. Là, c'est beaucoup plus compliqué de s'arrêter, comme ce qu'on va voir. Ça va être retenu selon l'avis de Rabbi Yehoshua ben Korcha, que là-bas, on n'a pas le droit de s'arrêter. Concrètement, on ne sait pas qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Plus précisément, c'est que quand on arrive
La paracha de Vayomer, elle s'arrête. Ani Hashem Elokechem, je vous disais très bien, Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem. Ici se finit la paracha. Emet Veyatsiv, c'est la suite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à Ani Hashem Elokechem, il ne faut pas s'interrompre jusqu'à quand on a commencé le mot Emet, qui est le Emet qui appartient à la bracha d'après. De ce fait, ça appartient à la bracha d'après. Quand tu as dit le mot Emet, tu as commencé la bracha d'après. Donc, tu te retrouves en plein milieu du paragraphe de Emet Veyatsiv, en fait. Tu n'as pas la possibilité de t'arrêter à cette borne-là. Tu dois nécessairement entamer le dernier tronçon. Et quand tu commences le dernier tronçon, ben, tu n'as plus le droit de t'arrêter pour n'importe quoi. D'accord ? Vous avez compris l'idée ? Ça, c'est la première partie. On fait tout ça dans les mots. Veloen ben aprakim. Tels sont les entre-paragraphes. Ben bracha rishon alashnia. Entre la première bracha de Yotzer Or jusqu'à la deuxième. Quand tu as fini. Bon, Hashem Yotzer Ameorot. Et tu n'as pas encore commencé. Avat Olam. Ça, c'est ben bracha rishon alashnia. Ben shnia. Lishma. Entre la deuxième bracha et le shema. Abochem ba'am Yisrael be'ahava. Et tu n'as pas encore commencé. Shema Yisrael. Là, c'est encore une interruption. C'est entre les chapitres, et on sera plus large pour permettre de dire bonjour à plus de personnes ou rendre le salut à quelqu'un qui nous a salué. Ben Shema le Vayam Shamoa, de même aussi entre Vayam Shamoa et la parasha de Vayomer, et de Shema et de Vayam Shamoa, Ben Vayam Shamoa le Vayomer, entre Vayam Shamoa et Vayomer sur la parasha du Tzitzit, et aussi, même aussi Ben Vayomer, le Emet Vayatsim, entre Vayomer et Emet Vayatsim, tu peux aussi t'interrompre, c'est-à-dire Ani Hashem Elokechem. Avant d'avoir commencé Met Vayatsiv, ça c'est l'avis de Tanakama, et sur ça on a Rabbi Yehuda Omer, je me suis trompé, je vous dis c'est Rabbi Yehuda Ben Kocha, c'est pas Rabbi Yehuda Ben Kocha, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Ben Vayomer, les Met Vayatsiv, lo yavsik. Entre Vayomer et Met Vayatsiv, lo yavsik, comme ce qu'on a expliqué, parce que Ani Hashem Elokechem, tu ne dois pas t'interrompre et dire tout de suite le mot Emet, parce qu'il y a un rapport avec le pasuk qui nous a dit Hashem Elokim Emet, Vashem Elokim Emet, il y a un pasuk dans Yirmiya qui dit Vashem Elokim Emet. On a un intérêt à ce que tu dises le mot Emet dès que tu as dit Hashem, Lokechem, Emet. Donc tu ne dois pas t'interrompre. Entre parenthèses, ça complète les 248 mots du schéma pour les Ramach et Varim. Il y a des raisons très profondes pourquoi il faut ajouter ce mot-là, de dire Emet. Et puisque tu as commencé Emet, tu as commencé le paragraphe d'après, donc tu ne peux plus t'arrêter entre les chapitres. Amar Rabbi Yehoshua ben Kocha. Maintenant, on a Rabbi Yehoshua ben Kocha qui va nous expliquer l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il faut dire les trois parachutes? Et pourquoi dans cet ordre-là spécialement? Il y a un problème technique si vous faites attention. Je vous ai dit la paracha du Tzitzit. Vayomer Hashem al Moshe Mor Deber Yisrael Vamartalem, c'est dans Parashat Shlach Lecha Anashim, dans Chumash Bamidbar. Après, Shema, c'est dans la Parashat de Vayetranan, et Vayem Shamoa, c'est dans Ekev. Selon l'ordre chronologique de la Torah, il fallait commencer par la Parashat du Tzitzit, et après dire le Shema, et après dire Vayem Shamoa. Pourquoi on en changeait l'ordre? Et la réponse, elle est qu'il y a une raison, très 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 spécifique pourquoi on en changeait l'ordre. Le but, c'était de te dire comme ça, Amar Yehoshua ben Kocha, Lama Kadma Shema le Vayem Shamoa. Pourquoi la paracha de Shema, elle précède Aveaya im Shamoa? C'est pas juste parce que chronologiquement dans le Sefer Torah c'est comme ça, parce que la chronologie, c'est pas la question, c'est pas le sujet, puisque c'est mon Josué Vayomer avant. Et là, Kedeshe Kabel Alav Ol Malchut Shamaim Techila, Vachar Kachi Kabel Alav Ol Mizot. Mais c'est plutôt pour autre chose. C'est pour que tu reçois d'abord le Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté d'Hachem, du ciel, Techila, auparavant. Et ensuite, Vaharkar, Yekabel Alav Ol Mizot. Et ensuite, tu prendras sur toi le joug des Mizot. C'est-à-dire qu'il y a deux parties. Mais d'abord, premièrement, je suis un sujet, un esclave d'Hachem. Premièrement, je fais état de ce que je suis. Après, je fais état de ce que je dois faire. Après, je reçois le Ol Mitzvot, le joug des Mitzvot. Premièrement, je suis soumis à toi. Ensuite, ce que tu me demandes de faire, je le fais. Je reçois d'abord le Ol Malchut Shamaim Trila, c'est Vayayim, c'est Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad, Hashem Elechad, c'est lui qui est unique dans tout, son unicité, tout ce qu'il y a, ça vient que de lui, et je suis soumis complètement à lui, à faire sa volonté. Ensuite, alors tu reçois le Ol de Mitzvot, Vayayim Shamoa Tishmo El Mitzvotai, tu devras accomplir toutes les Mitzvot d'Hashem. Ensuite, Vayem Shamoa le Vayomer. Maintenant, pourquoi Vayem Shamoa, tu l'as dit avant la paracha de Vayomer? Très simple. Chez Vayem Shamoa Noeg Vayom ou Balaila. La paracha de Vayem Shamoa, qu'est-ce qu'elle est venue nous enseigner? Que tu dois lire le schéma, et aussi et surtout même que tu dois étudier la Torah. Velimadetem Otamet Benechem, Ledaber Bam. Il faudra enseigner à vos enfants d'accomplir d'étudier la Torah et de la transmettre.
Ça, c'est le Talmud Torah. Et Talmud Torah, tu l'accomplis Bayom ou Balayla, de jour comme de nuit. Tandis que Vayomer, la paracha du Tzitzit, et non Oeg, et la Bayom. Elle ne doit, elle n'est en vigueur que dans le jour. Donc, quelle est la mitzvah qui englobe le plus de mitzvot? La mitzvah qui est le sujet qui est évoqué dans Vayom Shamoa. Puisque c'est la mitzvah du Talmud Torah qui est en vigueur de jour comme de nuit, tandis que la paracha de Vayomer sur le Tzitzit, c'est uniquement le jour et pas la nuit, donc tu dis Vayom Shamoa avant Vayomer. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Seah.